C'est intéressant. Terron, ça peut être pas si mal. Si on arrive à trouver le chevalier éternel, si on arrive à trouver l'automate. Après, il y a les bêtes aussi qui fonctionnent avec Terron. Ça peut apporter un peu d'early game. Sinon, il y a Elise, qui est cool aussi. Ah, Terron, là, avec les trois races présentes, c'est quand même assez sympa. Allez, petit Terron. Petit Terron. On va passer un sacré bon moment, je vous le dis. Ok. On préfère Liche ou on préfère Chevaucheur? On préfère ça, non? Je crois que c'est mieux ça si on trouve le Nerubian qui booste l'attaque. Bon, on a Babofat qui est gros dans le lobby. Et bon, après, le reste, c'est des, c'est juste des excellents joueurs. Mais pas des cracks absolus. Babofat, c'est le crack absolu et derrière, c'est des excellents joueurs. C'est quoi le record actuellement en termes de cote? Ça doit être GIF, Better Babbit ou XQN. Hein. Je sais pas, ça doit être genre 16k peut-être. 17 peut-être. Ça fait tarader de partout à la fin. GIF, ah ouais, mais c'est n'importe quoi. 18k, c'est n'importe quoi. Tu vois, GIF, il est à 18k, donc premier. Moi, je dois être 25e du serveur à 13k3. T'imagines? L'écart, en fait, l'écart, il est énorme en termes de cote. Il y a 4000, il y a plus de 4500 de cote entre nous. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de classements. C'est incroyable. Ah, il y a vraiment 3 joueurs pour moi, ils sont clairement au-dessus de tout le monde. Ouais, GIF, Better Babbit et sur serveur américain et XQN sur serveur européen. Salut à Rock du 59, merci pour le Prime, t'es le premier abonné de la journée, merci à toi. Et en plus, GIF, c'est ça, il est à 15k plus en Europe. Ouais, non, c'est des... Oh, waouh. Oh, waouh. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Ok. Ah ouais, là... Là quoi, là je dis là. C'est quoi l'idée? Ah ouais, là c'est le jeu qui nous dit fais un choix bonhomme. Je suis pas un bonhomme. Bah on mange l'automate, non? La question c'est quoi? C'est on s'en fout du chevalier ou c'est cool quand même? En vrai c'est cool quand même. Hein. Après j'avoue que ça, ouais non, c'est cool quand même. Hein. Ouais, taverne de... C'est clairement une taverne de Jésus où faut faire des choix. Et je pense que le meilleur choix, bah, c'est de laisser tomber le grouillant et vraiment de scaler. Le chevalier, j'aime bien le scale parce qu'il peut vraiment... Si on trouve le bibelot chevalier, et même plus tard, avec l'invocatrice éternelle, c'est hyper intéressant. Une invocatrice qui ramène des monstres, c'est super cool. Ah, c'est super, franchement c'est les 3 cartes qu'on cherchait. Le Nerubian, lui et lui. Ok. Ça va vous remettre en scène. N'importe quoi. J'aimerais bien avoir un deuxième chevalier ou un deuxième automate. Donc je crois que ça me dérange pas de prendre l'éclaireur et de le laisser compoter un tour. Après, ah. Il a up, mais ça change rien. Bah, le fait qu'il est up, ça peut nous donner envie de prendre le gagnant, même si le gagnant, ça marche rarement quand même. Non, on va assurer avec le... Après, le coq, on s'en fout. Je tente le gagnant. Franchement, c'est jamais bien, mais... Là, on a tellement un départ de fou. On est tellement mieux sur les ponts. Allez. On va tenter le gagnant. Au pire, ça fera une pièce. Hein. Oh, une embuscade. Ouais,
C'est pas cool ça. Par contre. Ok. Ça on vend. Ok. Le jeu est sympa. On va up. On va roll. Essayer de choper un ennuyo. Il va m'arriver un truc, moi. Il va m'arriver un truc aujourd'hui. Je bouge pas de chez moi. Je bouge pas de chez moi, je vous le dis. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. J'avais prévu d'aller courir après le stream. Je reste enfermé dans une couette. Bon, ça revient au même, hein. D'accord, ça revient strictement au même. Hein. Bah, prochain tour, le gagnant il proc et je récupère le magnétisme. Le béni des dieux ou Dieu lui-même, c'est possible, hein, franchement. On sait pas, hein. Si bien c'est moi. Le départ est incroyable. La roue, symbole. Là, l'idée, c'est vraiment de partir en... Bah, en automate avec Kangor, etc. Enfin, la compo, quoi. La grosse compo. Le truc, c'est qu'est-ce qui marche avec la grosse compo? Enzot. Enzot, ça marche avec la grosse compo. Avec Kangor. Mais bon, c'est pas tout de suite, quoi. La roue. La roue, c'est pas mal, hein. La roue, ça apporte de la tempo. On en a déjà, mais bon, on n'est pas non plus imbattable, hein, surtout si on fait des up agressifs. Je sais pas. Le fish, c'est pas mal avec le Kangor. Ça va ramener des créas. Mais il peut aussi se faire percuter avant les Kangor. Non, je pense que c'est la roue. La roue, c'est toujours cool. J'aime trop la roue, moi. Je suis trop fan, je suis trop un addict à l'aléatoire, moi. Je suis un drogué de l'aléatoire, moi. Je suis un Hearthstonien, quoi. Oh, pas de chance. C'est quoi l'idée? Une petite piqûre d'amour. Bon, un peu de stats, hein. Un peu de stats. Il est vraiment extra. Ce départ, il est extraordinaire. Ça veut pas dire qu'on va faire top 1. Je pense qu'on fait quand même tout le temps top 4. Ou vraiment. C'est vraiment le karma, quoi. Si je fais pas top 4. Mais il y a un monde où on fait pas top 1. En tout cas, je sais où je vais et ça c'est important quand vous avez des bons départs comme ça. Ah. Bon, en vrai, si ça mange, c'est pas si grave. En vrai, c'est pas si grave. On mange un automate qui est gros. On les dorera plus tard. Je pense que ça me va. Là, on va up. Et je sais pas. On achète un truc. On prend ça, on le garde en main. Juste pour deux cartes, puis on s'en moque un peu. Après, ouais. On va le garder en main. Quoique... Oui. Par contre, je me demande... sa vénimosité, le poison, peut-être qu'il faut essayer de le mettre là. Pour essayer de lui casser sa vénimosité justement avec les rip-hop. Merci Végéto, Végéto du 71. Merci beaucoup.
Végéto du 71, merci pour ton soutien. Végéto. Voilà, c'est ça. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça quand même. Végéto, c'est un perso de DB ? C'est vrai ? Toi, t'es pas au courant que je suis champion d'Europe de Dragon Ball, j'ai l'impression. Allez, on lui casse le poison ! On tape dans le poison ! Encore ! Oh non ! Bon. Ah, c'est pas cool, là. Là, c'est vraiment pas sympa, là. En plus, j'avais bien teké pour aller chercher le poison. Ah, ça se fait pas. Plutôt ça en fait. Si on essaye d'être correct. Quelle adresse ! Je suis épaté. Faucheur, ouais. Bon, faucheur, c'est pas mal, hein. Je vais vous faire un bon. Mesure de sécurité désactivée. Ça, je prends. Oh. Ce serviteur, c'est un habitué. Ouais, j'ai quand même envie d'avoir ce faucheur, non ? Ou alors on... Bon, en attendant... C'est quand même cool, hein. Salut Witos ! Comment ça, petit Witos ? C'est fou, on est à 19. Ouais, en fait, faucheur, ça peut me permettre de partir sur Polarisant avec Dracari et tout. Mais c'est vrai, quand on a un gros automate et un pouvoir comme ça, c'est quand même un peu dommage, je trouve, de ne pas partir. Même si l'autre compo, elle scale énormément, mais elle est pas forcément combo avec ça, elle est pas forcément combo avec le gâteau. Je fais pas forcément d'économie. C'est une compo pour moi où il faut faire générer beaucoup d'économie. La compo... Il était pas mal, lui, il est mal tombé. Hein. La compo polarisant. Faut drone, faut Dracari, faut. Faut polarisant, évidemment. Ouais, ça va très bien, merci de demander. C'est plaisir. Bon, c'est, il avait vraiment un beau setup, hein. Avec ça. Ouais. J'avoue que son setup, il est très beau. Mais bon, là, il est vraiment tombé contre le méchant du lobby, là. Ah, si on mange, c'est même pas grave au pire, en vrai. Ah, ça peut être sympa. J'ai des bonnes créas, j'en ai aussi des mauvaises, mais... Ah, lui a donné à lui, non ? Ah, c'est pas fou. Alors, on a les deux mécas chaque tour. Ça, on s'en moque. Les sorts, on s'en moque. Les deux mécas par tour, c'est pas mal, hein. Ou alors, on a déjà tout en méca. Ça peut nous permettre de partir sur drone. Faire pas une transition parce que je dirais pas que je joue ok, donc on va prendre quand même cet automate. Je vais, c'est pas évident de se dire est-ce que je prends bon, l'automate c'est sûr, je pense que je vais pas prendre ce sort. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ça c'est bien parce que ça peut donner plein de trucs quand t'as 25.
Bon, voilà, c'est raté, mais... Ok, ok, je laisse tomber le défleck et j'essaye de générer de l'argent pour avoir plus de rolls. Et avec ces rolls, je vais pouvoir augmenter mes probabilités de trouver le Kangor. Salut Bixiv, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, on a peut-être des horaires décalés. Tu t'es décalé ou t'as fait une pause? Ah non, je fais pas de pause. Jamais. Je ferai jamais de pause, par contre je serai mort. Non, je t'aime toujours du matin au soir. Salut Namolus, comment ça va? Ça va très bien, merci de demander, et toi? Il est pas si mal le gars quand même. Le truc c'est que, est-ce que... Ah! Il y a un monde où d'abord j'ai les sorts. Très bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de si... Ah non, c'est les sorts comme ça. Votre confiance. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Bon, ça c'est cool. Ouais non, on va laisser tomber drone hein. Il faut pas aller partout là. On a hydro à l'essentiel. Par contre ça me dérange pas de continuer à booster ce rusher. Ça va virer. On peut taunter lui. Ah non, on va le taunter avec automate. Est-ce que je veux vraiment un ennui aux troupes? Contre bête, je suis pas certain. YouTube m'a désabonné de ta chaîne, c'est pour ça que je voyais plus rien. Oh là 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 là, les vilains! Mais qu'est-ce qui se passe là avec le placement? Ok. Je mange ce gars. Hein. Peut-être t'as mis ce clic. Ça se fait pas en tout cas. Ok, ok, bon. Toujours pas de Kangor, mais on est quand même vraiment pas mal. Ouh, il a l'air de souffrir. De toute façon, quand il y a lui sur le board, c'est que t'es en souffrance. Par contre, il aurait limite dû le garder en main, dans le sens où... j'ai un pattern. Ouais, quoique, je mets 11, je mets 7. Il aurait pu se dire qu'il y avait une chance qu'il gagne. Alors. Bon. Ça peut être bien. Oh non, mais faut arrêter avec lui, hein. Je me dis, est-ce que je commence à prendre... Non, j'allais dire, je commence à prendre les bleus... Les... Ça, ça peut donner Kangor. Ouais. Lui c'est le dernier combat, je vais le virer. Est-ce que je taunte automate? Ouais.
Je sais pas si j'ai vraiment envie de l'avoir en... Non, déjà on va se concentrer un peu sur le Kangor. Et sur le sort qui mange. Où es-tu, petit sort qui mange? Eh, mais arrêtez! Mais sans déconner! Oui, Boboon, Boboon. Ah! Je peux pas l'acheter maintenant. Ou alors faut virer Faucheur. En vrai, Faucheur il sert à que dalle. Hein. C'est fat, hein. À lui avec son... C'est frustrant, hein. T'as Bran Doré au tour 11, t'as un board qui est pas mal. Tu viens de mettre... tu viens de gagner ton combat d'avant. Tu te dis, bon, bah, la game, elle est pour moi. Eh non, man, t'es tombé contre Jean-Michel Automate. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noix. Ah, ça, ça peut être gourmand. Enfin, c'est forcément gourmand, mais ça peut vraiment être énorme. Oh, waouh. C'est n'importe quoi! Bam! Les trois automates, quoi! Allez, le Kangor, hein! C'est toujours utile d'avoir du renfort. Lui, il joue quoi? Il joue mort-vivant? Ouais, je prends pas ça, hein. C'est un truc de fou! Vous avez la pièce facile. Ah, ça se fait tellement pas. Le gel, ça peut donner Kangor. On ne bouge plus. Ah. Te donner un out du faucheur qui se fait boost. Ça peut que être correct, non? Te donner un out du faucheur qui se fait boost. Non. Ça aurait été quoi? Une chance sur 4? T'as 25%. Le problème, c'est que si je gèle et qu'il y a un sort qui mange la taverne, le sort, il s'en va. Vu que ça fait un refresh. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Je mange, ça fait un refresh. Quoique, si je gèle le sort, peut-être ça refresh pas. Mais je savais que le faucheur, j'allais pas le garder. Je joue que 25%. Non, je pense que c'est correct. De parole aussi. Enfin, de pas geler parce que j'ai besoin d'avancer dans mon Kangor. C'est important. Il suffit d'un pour être vraiment bien. Et à partir du moment où on a Kangor, on va pouvoir commencer à aller chercher Titus. Donc non, je veux vraiment optimiser mes chances de l'avoir. Ouais, j'ai vraiment pas de chance dans cette game. J'avoue. C'est un truc de Barjo, hein. L'or est à vous. Empêche, il était sympa ce sort, hein. Cette roue là, plus 300, plus combien? Plus facile, presque plus 250 sur lui, hein. 250, pas mal la roue, hein. C'est mieux que manger à la taverne, hein, ce sod là. Lui, il est très très fort, hein.
Lui est vraiment très fort. Mais. Mais même sans Kangor, on est encore énorme. Après, on est aussi. Là, ce qui nous a bien aidé, c'est quand même le. La roue d'Yogg. Ok, bon. Kangor, Kangor, Kangor. Ok, finale contre Mecha. Intéressant. Ah non, c'est moi Mecha, je suis bête, mort-vivant. Ah, c'est chiant à manger. Mais vous voyez, ça va virer mon... Ouais, ouais. J'ai pas Monty. Allez. Allez. Ah, ce serait horrible, hein. Il joue 6 morts vivants, j'ai pas besoin de tuer son Kangor avec ça, je pense. Sérieux. C'est dur. Ah, t'es dur le jeu. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Il est dur le jeu. Je ferai un cas à lui. Mais il y a que des automates quoi. La compo 100% automate. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre quoi. C'est... c'est con. C'est très con. Non mais un Kangor, sérieusement, c'est pas possible que ça se passe aussi bien et aussi mal à la fin. Les 4 fantastiques. C'est n'importe quoi. L'or est à vous. Mal déplacé en une seule fois. Ce qui me fait peur, c'est juste son poison. Le reste, je m'en fous. Bah ouais. Son poison est chiant. Ah, il est tellement facile à battre lui. Il suffit d'un Kangor, c'est fini. La game elle est finie. Il a pas de scaling, il a. Ouais, mais non, hein, c'est. C'est un match-up qui est free win. Après, il peut me tuer peut-être, non? C'est compliqué. Il est à 1,7%. Ouais, je suis quand même à 24. Hein. C'est exagéré. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Ça, ça, ok. Allez, le jeu, le jeu. Bon, en vrai, là, le truc des stats, c'est pas mal, hein. Non, oh, t'étais pas loin. On s'en fout, on s'en fout. Allez. C'est un truc de Barjo. Thank you.
Ok. Ça c'est bien, ça s'écrase dans le boubou. Ok. Ah, la cime d'oreille, elle est pas problématique. Il sait, hein, il le sait, hein, que si ça tombe, que s'il y a le Kangor qui tombe... Enfin, quoique, après, il a la cime d'oreille qui est un peu chiante. Mais il y a peut-être un monde où je peux... Ouais, j'allais dire que je prends des autres taunts, mais... Ah, c'est un truc de fou, hein, s'en sortir comme ça à chaque fois là, 80%. Ah là là. Non, le taunt il était important, il me protégeait. Un taunt à un mana c'était trop bien. Ah, c'est frustrant. Après on peut prendre ça, double taunt. Ah, je pense qu'il faut le prendre ça. Ils l'ont viré. Je vois que ça. Il m'a mis combien de dégâts? 7. En fait, il met pas beaucoup de dégâts. Non, mais... Sérieux, il est forcément là. C'est pas possible. Ah, ça c'est pas mal, non? Ah là, 100%. Enfin. Une troll avec Kangor, ouais, c'est clair. Ouais, c'est Babo Pat. Ok. Ouais, je peux mettre full board. Bien sûr, mais... Ok. Est-ce que ça me va d'en prendre un autre? Est-ce que c'est bien de dorer ça? Non. Vous avez la pioche facile, dites-moi.
juste un tour. Tu m'as assuré. Il y a de l'or en vue. Là c'est 100% je pense. Ouais. Ouh. J'ai tout eu. Mais j'ai rien eu aussi. C'est ça qui est drôle. Bah j'ai tout eu et rien eu. Elle est magnifique cette game. Elle est belle cette compo Kangor, mais pour vraiment, normalement t'as pas, enfin cette compo automate, en général les automates ça apporte pas beaucoup de tempo au début, c'est compliqué, à moins de jouer avec des persos tech, genre Roi Lich, Teron. Mais c'est vrai que quand c'est mis en place c'est dur à contrer quoi. Magnifique, belle finale. Ça va être frustrant de perdre quand même.